passe sur la boucherie du Filleul au boulevard de Strasbourg. Et nous voyons deux braves artisans en train de travailler. Donc le métier de bouche, hein, donc la boucherie. Donc en plein travail. Ça fait plaisir à voir. Alors nous sommes également en présence, hein. On ne va pas forcément filmer, mais des clients hein, qui font la queue hein, sur cette boucherie. Donc ça prouve qu'elle a un certain succès. Donc on voit de la viande, de la charcuterie, toutes sortes de dégustations, si je puis dire. Donc une boucherie traditionnelle, comme il en existe quelques-unes au centre de Messoulois. Alors madame, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette boucherie donc du Filleul? Depuis quand est-elle en activité sur ce boulevard de Strasbourg? Nous parler un peu de vous, de vos activités et de votre clientèle. Nous sommes arrivés en 1981. D'accord. Ça fait déjà un bon bail. Ça fait un bon bail, hein. Nous avons une clientèle très fidèle. D'accord. Qui aime la qualité. D'accord. Et que je puisse vous dire d'autres. Donc, qui aime la qualité. Est-ce que c'est une clientèle qui vient essentiellement du centre d'Aulnay-sous-Bois ou est-ce que vous avez des personnes qui viennent d'un peu plus loin pour se poursuivre? On a des personnes qui viennent d'un peu plus loin. D'accord. Et par l'intermédiaire d'autres personnes par lesquelles ils ont été invités. Et vu que la viande était très très bonne, alors ils reviennent chez nous. D'accord. Donc vous êtes... Il y a beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur, même du côté de Herbenonville, de Senlis, de la rue. Ah, de Senlis. Il y en a qui viennent de loin. Hein. Et qui font des commandes au mois pour mettre dans leur congélateur. On a même des clients qui viennent de Gournay qui nous font des commandes au mois. D'accord. Et qui... Qui viennent donc s'approvisionner ici et qui font le trajet pour. Un client qui écrit des films par exemple pour la télévision, qui est à Gournay, qui prend tous les mois. C'est un ancien client d'Aulnay. D'accord. Il y a 10 ans qu'il est à Gournay, il vient toujours chez lui. Ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils n'ont jamais trouvé l'équivalent ici. D'accord. C'est un exemple. Juste un peu. Pour avoir votre ressenti, les boucheries traditionnelles, notamment les sous-bois, ça se fait de plus en plus rare. Hein, dans certains quartiers, même dans les sous-bois, on n'en trouve plus. On le trouve principalement dans le centre. Dans le centre, un peu dans le sud certainement, mais... Surtout dans le centre. Surtout dans le centre. Sur le boulevard, la rue de Bondy, peut-être la rue Anatole France aussi encore. Un petit peu. Oui, mais autrement, tout est vraiment centré maintenant. Donc votre ressenti, bon, la boucherie traditionnelle, pour vous, ça doit rester une activité. Sûrement. Ça a de l'avenir. Ce qui se passe, c'est qu'il faut... C'est bien de faire le nécessaire pour former les jeunes, mais il faudrait que les contrats... Il y a un contrat de façon qu'une fois qu'il a fait sa formation, qu'il passe au moins 6 mois encore dans l'entreprise. Parce qu'ils font des formations, mais en fait, ils ne sont pas trop intéressés. Et une fois la formation terminée, ben, ils savent quoi faire. Ils retournent, en fait, compte au chômage. Et c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas l'idéal. Ben non, parce que si vous voulez, on s'intéresse au travail en pratiquant. Et on pratique, et on s'y intéresse. C'est mon cas. Dans... Il y a peut-être la partie gestion, la partie, donc il y a la partie métier, donc le métier de bouche qui bon, ça nécessite une certaine dextérité, si je puis dire, pour pratiquer, mais il y a également la partie gestion qui peut rebuter, c'est-à-dire. Si vous voulez, dans la libre attention, vous touchez à tout, les achats, vous avez la régisse, vous allez dans un abattoir, vous pratiquez les achats, discutez les prix. Vous apprenez aussi à choisir la marchandise, ça c'est quand même notre milieu. Après vous avez la préparation, vous avez le contact avec les clients, et puis vous avez la vente. C'est vraiment, et puis en plus vous avez la comptabilité, vous avez beaucoup de choses. C'est vraiment des entreprises où c'est vraiment arrivé, vraiment intéressant.
Est-ce que vous avez... Il faut que les jeunes, on les investisse bien dans le métier. C'est dans le métier. Un petit passage d'un ou deux mois. Ils savent qu'au bout d'un ou deux mois, ils vont être mis dans la rue. Il faudrait qu'ils fassent, si vous voulez, qu'ils viennent faire... Qui passe par exemple de 3 mois dans l'entreprise, mais il faudrait qu'il y ait un contrat qui les oblige à rester au moins 4, 5, 6 mois après dans l'entreprise pour demain, comme ça, vraiment qu'ils prennent goût. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire par rapport à vos visiteurs dans notre site? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Quelques mots par rapport à vos activités, à votre professionnel? Oui, un message à faire passer. Professionnel, il faudrait peut-être revenir peut-être en arrière. Dans la formation pour intéresser les jeunes. Intéresser dans le métier, dans le métier de bouche. Ah oui, reprendre un petit peu le système passé. Bien, moi j'ai commencé à 14 ans, et puis j'ai plus de 60 ans. J'ai pas beaucoup travaillé, je suis plus en forme. D'accord. Alors, vous voyez que ça ne me dit rien. Hein. J'ai fait l'abattoir, j'ai fait plein de choses. À 14 ans, je faisais l'abattoir. D'accord. Dans des conditions comme il n'y a pas maintenant. Hein. Maintenant, c'est de la rigolade. Hein. Alors, c'est pour ça que les jeunes, ils sont capables de prendre faire plein de choses, mais il faut les intéresser. Et pour les intéresser, il faut qu'ils restent dans l'entreprise assez longtemps. Au moins 6-7 mois. 6-7 mois pour voir la vie. Ah oui. Ils viennent un mois, deux mois. On a beaucoup de jeunes comme ça qui viennent en formation. Ils viennent pour voir si ça leur plaît, mais au bout de un mois, deux mois, ils ne sont pas trop intéressés. Parce qu'en fin de compte, ils viennent là, mais... Ils n'ont pas le temps de... Ils n'ont pas le temps de... Ben non, de bien se former. Parce que le chef d'entreprise, ça demande quand même du temps pour leur apprendre. Donc pour pouvoir leur apprendre, il faut quand même qu'on ait du temps, faut au moins 5-6 mois. Pour vraiment leur montrer que... Quitte à les, par exemple, en formation de mois, et après les rémunérer pendant 6 mois. Ça les intéresserait, parce qu'ils gagnent un peu d'argent. Ils auraient un intérêt financier. Ça les encouragerait en plus de ce côté-là. En plus, en pratiquant, ils prendraient goût à l'entreprise. C'est ça qui est important. En tout cas, merci pour votre accueil. Et puis, à très bientôt. Et bon courage dans vos activités. Merci. Voilà.